Je demande à l'État de ne pas rester sourd aux appels des syndicats et autres associations, de les convier à un dialogue. C'est à cela que nous avions appelé le 28 mai 2016 au niveau de la présidence de la République. C'est à cela que le Sénégal, dans ce que nous avons de traditionnel, nous convie. Nous sommes un pays de dialogue. Je me demande pourquoi l'État ne réagit que quand les gens font une grève de la faim, que quand on casse des bus, que quand on casse des feux, que quand on fait des grèves de la faim, que quand les grenades lacrymogènes crépitent. Nous devons pouvoir aller à la rencontre des citoyens, nous asseoir avec eux, vérifier régulièrement les cahiers de doléances et les préavis qui sont déposés, voir ce qui est soluble et le résoudre, ce qui ne l'est pas, s'entendre et le régler.